bienvenue sur la chaîne. Nous avons une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comment faire entrer vos animaux de compagnie à l'hôpital? Voyons quelques astuces géniales pour amener votre petit ami à l'hôpital. Allons-y! Bonjour! Quoi? Mais que pensez-vous? Amener un serpent? J'ai une peur panique des serpents! Sortez immédiatement de l'hôpital! Dépêchez-vous! Quoi? Ça veut dire que moi non plus, on me laissera pas rentrer avec mes escargots! Salut, Justine! Aujourd'hui, ta soupe préférée pour le déjeuner, à plus! Oh, cette cuisinière m'a donné une super idée pour amener mes chers escargots! Il me suffit juste de me déguiser en cuisinière et de cacher mes chers amis sous une cloche! Comme si c'était le déjeuner des patients! Restez bien ici, mes amis, et soyez sages! Bon, il est temps d'aller me changer! Oh, la tenue me va même super bien! Allez, allons-y! Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. J'en étais où? Oh, vous avez enfin apporté le déjeuner? Un petit moment. Et voici, tu vas goûter à des merveilles, ma chérie. J'ai une bouillie incroyablement délicieuse pour toi. Tu peux t'y attaquer tout de suite. Y aura-t-il quelque chose de plus comestible que juste de la bouillie? Pour vous, j'ai un plat spécial. Que diriez-vous d'escargot? Je rigole. Je ne vous offenserai jamais, mes chéris. Oh, merci, madame, de m'avoir laissé passer. Oh, qu'est-ce que vous avez un joli bébé! Puis-je jeter un coup d'œil? J'ai un jouet pour lui. Allons jouer avec lui. Vous aimez les mignons? Quoi? Pourquoi votre enfant ressemble-t-il à un petit singe? Oups! C'est totalement interdit chez nous d'amener des animaux! Sortez tout de suite! Je m'excuse, j'ai dû confondre par accident que nous n'étions pas au zoo! Oh mon Dieu! Mais quelle est cette belle patiente qui est arrivée chez nous? Je ne peux pas détourner le regard d'elle! Elle est tellement incroyable que c'est gênant de la fixer! Merci de m'avoir laissé passer devant vous, les gars! Je vous envoie un baiser volant. Prenez-le. Oh, je l'ai reçu. Rentrer à l'hôpital n'a jamais été aussi facile. Oh, sainte grand-mère, quelle est cette déesse qui est descendue dans ma chambre? Étrangement, aujourd'hui, il y a trop d'attention pour moi. Alors j'ai juste décidé d'amener mes petits animaux à l'hôpital pour ne pas me sentir seule pendant mon traitement. Au fait, parlons de mes amis bien-aimés. Les voici! Ce sont mes adorables hamsters! Regardez comme ils sont mignons! Oh, ça ne va pas du tout! Je ne vais pas rester dans la même chambre que cette folle! Pourquoi aurais-je besoin de tes hamsters? Hé, attendez un peu! Vous n'avez pas vu qu'on ne peut pas amener des animaux? Laissez cette souris ici! Comment avez-vous pensé qu'on peut amener ça à l'hôpital? Oh, il n'est pas question que je me sépare de mes adorables cafards! Il faut que je trouve rapidement une solution! Oh, j'ai une idée brillante! Je vais bander ce pot et faire comme si j'avais une bosse sur la tête! Cool. Bonjour, je m'appelle Rachel et j'ai une grosse bosse sur la tête! S'il vous plaît, aidez-moi! Je dois aller chez le docteur! Bien sûr, allez-y, c'est par là! Bonjour, ma chère voisine! Bonjour, je m'appelle Rachel! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une blessure sur la tête? What? Oh, tu parles de ça, c'est rien du tout! Ce sont juste mes amis, je vais te montrer! Allez, regarde, je te montre. Regarde, ce sont des petits cafards. Des cafards? Ils sont très gentils. Bon, comme tu as ta main blessée, je vais te les mettre ici. Voilà. S'il te plaît, arrête ça! Une minute, s'il vous plaît. Jamais avec des animaux chez nous. Mon petit chou, ne sois pas offensé, c'est juste un homme très méchant. Hé, pop-up, attendez! Je n'ai pas d'animaux, vous voyez pas, j'ai juste la main cassée! Ok, allez-y. Ma petite souris, je ne peux pas te laisser ici. Oh, j'ai une super idée! Je peux te faire passer par les conduits de ventilation. Tu pourras te faufiler à travers les tuyaux et finir par arriver jusqu'à moi. Allez, viens! Bonjour, j'ai un rendez-vous. Et vous avez mué où, votre souris? Montrez-moi votre sac. Voilà, s'il vous plaît. Bon, allez-y alors. Hourra, j'y suis arrivée.
Bonjour. S'il vous plaît, ne dites rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite souris, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, c'est un fromage que tu adores. Allez, viens ici, mon petit chou. Oh, très bien, tu m'as trouvé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les souris. S'il vous plaît, enlève-la tout de suite. Ma chérie, ne l'écoute pas. Elle n'est pas gentille du tout. Tu es très mignonne. Bonjour. Ne me dites pas que vous pensez faire passer cet animal à l'hôpital. C'est interdit. Donnez-moi cet horrible rongeur et allez voir le médecin dans le couloir. Lui sera dans une cage et vous, vous irez chez le médecin. Quoi? Comment ça? On ne peut pas amener des poissons? Mais comment est-ce possible? Je vais devoir le laisser quelque part. Ah, j'ai une idée. Je vais vous transférer dans des perfusions. Comme ça, ça vous aidera à passer inaperçu. C'est prêt. Maintenant, on peut y aller. Allez, c'est parti. Waouh, j'entends mon rythme cardiaque. Et si je souffle? Oh, c'était fort. Bonjour, vous avez une perfusion? Allez, oui, passez, passez. Oh, super, j'y suis arrivée. Cool. Grand-mère, je suis venue te rendre visite. Oh, comme je suis contente de te voir. Regarde, je t'ai tricoté un pull. Oh, comme c'est gentil, tu m'as fait un pull, mais c'est pas vraiment mon style, en fait. Et qu'est-ce que tu as, là? Une perfusion? Attends, je te montre tout de suite. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. J'ai réussi à prendre mes poissons avec moi. Dory et Lori. Oh, comme je suis contente de les voir. Oh, comme j'ai mal à la gorge. Il faut de l'eau. Oh, comme c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un poisson dans mon verre. Bonjour. Une minute, s'il vous plaît. Vous avez pas vu le signe? Pas d'animaux. Au revoir, mon petit ami. Je reviens tout de suite. Oh, man! On ne peut pas prendre des animaux? Mais où est-ce que je vais mettre mon chat? Ah, j'ai une idée. Dans cette situation, je vais le mettre en dessous de mon pull. Comme si j'étais enceinte. Bonjour. Quoi? Attendez, je dois écouter le cœur de votre bébé, permettez-moi. Je pense que vous êtes en stade final. Vous allez bientôt accoucher, c'est ça? Oh, j'entends ronronner. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un chat! Je le savais. Il ne faut pas me tromper, pas d'animaux. Oh, je suis encore en train de rêver que je suis au travail. Et hop! Pas de rongeur, vous avez pas vu le signe? Rendez-le, mademoiselle. Ah non, je ne donnerai pas mon iguane, c'est hors de question. Il faut penser à un truc. Ah, j'ai trouvé! Je vais mettre mon ami vert sous un foulard. Et je vais le cacher, personne ne remarquera rien. Oh, comme j'ai vraiment mal à la gorge. Et où allez-vous comme ça? Vous pensez vraiment que je vais être dupe de cette farce? Je savais que vous aviez un animal sous votre écharpe. Pas d'animaux ici, donnez-moi ça tout de suite. Vous le reprendrez en sortant. Vous êtes vraiment complètement fou avec vos animaux.